Et bonjour à tous et bienvenue chez les chroniques du Commandeur. On est ce soir avec Doku, Higgs et Alfie. Bonsoir à vous trois. Et bonsoir. Bonsoir. Donc moi je reviens avec Loran en tout cas. Donc Loran, je rappelle, donc c'est la... Alors on est très thématique ce soir, comme vous pouvez le voir dans le titre. Parce que là on a toute l'équipe de Tokazia. Bon, il y a les sous-fifs qu'on connaît pas, mais il y a les personnages qui sont partis en exploration et qui vont trouver tout ce qui a amené la guerre fratricide. On a tous les personnages principaux en tout cas. Moi j'amène Loran qui a peut-être, parce que je suis pas sûr de le truc, trouver le silex, en tout cas essayer de s'enfuir avec au moment où la cité, une des cités de Dominaria s'est fait attaquer par je sais plus quel frère. Du coup voilà. Donc moi je vais jouer Loran qui permet de détruire des artefacts ou des enchantements quand elle arrive en jeu. Et qui fera piocher moi et un adversaire. On va voir, hein, ce soir c'est un peu corsé, donc peut-être que je l'utiliserai pas trop cette capa. Mais on sait jamais. Doku. Alors moi j'ai changé par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière j'avais joué Arbin et Soldat Tribal. J'ai décidé que pour le 8 c'était pas particulièrement intéressant de rejouer Soldat Tribal. Donc j'ai préféré arriver avec Mishra, le Mishra à 5. Qui rajoute la parade sacrifier un permanent à tous mes permanents et donc un jeu bien stacks comme on les aime. Si vous avez regardé un peu les vidéos sur les commandants qui sont sorties la semaine dernière, voilà, je vous avais montré qu'il y avait des pistes sur une liste du genre dans la vidéo, donc c'est un peu la version complète ce soir. Higgs, du coup toi t'es venu avec quoi? Et ben moi je suis revenu du coup avec la matrone Tokazia, qui est justement là pour tirer les oreilles des vilains Urza et Mishra qui font la bagarre, en faisant un peu la police. Voilà, donc mon deck fait la police. Avec des petites créatures qui ralentissent un peu le jeu, qui vous évitent de partir un peu trop vite, et qui fouillent un peu mon deck en utilisant la surveillance. Et pour la petite histoire, du coup, vu que la semaine dernière, tu n'avais pas pu rester toute la soirée, ton deck, à la base, il devait faire quoi sur la level 6 ? Voilà pour... à la base, moi, c'était juste un créature artefact tribal. J'avais toutes les créatures artefacts de l'extension, et elle les fouillait pour les faire revenir. J'étais, comme on avait dit, entre les conducteurs de bus et les utilisateurs, moi, j'étais le bus. Parfait. Et Alfie, t'es venu avec quoi du coup? Ben moi je suis venu avec Urza comme la semaine dernière, sauf que là c'est Urza boosté aux hormones, qui est un deck Azorius, contrôle, combo, grosso modo. Bien avec pas mal d'artefacts aussi dedans, du coup, pour faire des petites choses, on verra avec cette main que je ne sais pas si je dois la garder ou pas. Bon bah pendant que tu prépares ta main, on va rappeler à ceux qui viennent, désolé pour les autres qui connaissent ça depuis tous les soirs, chaque soirée du jeudi soir et chaque replay du lundi, si vous découvrez, vous souhaitez nous suivre, n'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter également où c'est la plateforme où on lance les lives, les replays YouTube, les nouvelles vidéos YouTube également, et si on est sur des événements, bah voilà, on passe par Twitter pour l'instant. On verra bien ce que la plateforme deviendra d'ici 3 mois. Mais pour l'instant, on reste sur Twitter. N'hésitez pas également à venir sur le Discord si vous voulez discuter, proposer des choses. Le futur costume de Doku pour le Noël. Je ne sais pas quoi d'autre. Un meilleur masque pour Alfie. Passez sur le Discord si vous avez des questions, que ce soit sur les decks, le commandeur en général, l'extension. Si vous avez des questions de règles également, parce qu'on a des juges. Voilà, tout se passe aussi également sur le Discord pour le blabla. Et bien sûr, le YouTube, si vous ne pouvez pas rester ce soir et que vous avez vraiment envie de voir qu'est-ce que va faire le Urza ou le Tokazia d'Alfie de Higgs ou le Mishra de Doku, et le mien, on s'en fiche parce que c'est monoblanc. et ben, n'hésitez pas à passer sur le YouTube à ce moment-là. Replay à 17h30 lundi prochain. Et on espère qu'en tout cas, la partie sera vraiment incroyable. Comme évidemment, toute partie de présentation se respecte, n'est-ce pas, mes chers amis? Ici aussi, on essaye de faire spiker des cartes. On va voir si on arrive à faire comme Game Night. À vous de nous dire dans quelques semaines si ça a marché ou pas.
Vous avez également maintenant tout de suite le sondage de 10 minutes, ou 5, mais ouais, 10, ça laisse le temps pour ce qui vient d'arriver, de si vous pensez que ça va être Mishra, Urza, Tokazia ou Loran. On sait jamais, hein, pas forcément le pingouin qui glisse le plus loin, mais peut-être que peut-être essayer. Du coup, voilà, n'hésitez pas, on sait jamais. Pour l'instant, il y a une petite lancée sur Mishra. Visiblement, ça veut dans le chat aussi faire spiker la carte. Ah bah oui, attention. Tout le monde est avec toi, Doku. 75% du chat, en tout cas. Eh bien. Bonsoir, Patichi. Et sur ce, ben, je propose qu'on y aille. Bonne bagarre. Bonne bagarre. La bagarre. C'est aussi qui commence. Ouais. Eh ben, je vais commencer par piocher. Je vais ensuite perdre 2 points de vie. Voilà, First Blood. Et pour 1, l'incontournable Esper Sentinelle. Fin de tour. C'est un bon premier tour, en effet. J'ai bien fait de mulligan ma main. Qui va être rentabilisé en plus, vous avez, parce que je fais une... Ah, tu vas le nourrir. Eh, tu peux piocher. Ouais. Je pioche. Attention, un seul ring. Attention, seul ring. Seul ring. Au moins, t'as une cible tour 2 pour Loran. C'est vrai. J'ai une cible aussi chez Alfie. Hein. Vous pouvez engager Sol Ring pour faire 2 manas, on ne le répétera jamais assez. Ça ne coûte qu'un. Pioche. C'est mythique hein, sur Spell Table, hein, attention. Tout à fait. Fetch. Au moins ça. Go. Là, tu passes au tour après ? Ah oui, je fetch dans un terrain et je passe. Ok. Alors, pioche land. Et... Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des drops 1 dans son jeu. Pèlerin d'Avacide. Ah bah c'est très long. Tour. Hein. Dégagement. Draw. Pèlerin d'Avacide hein, qui ne veut pas se toucher. Je vais. Fetcher. Je perds un. Qui va fetcher dans une toundra. Et après, il faut que je réfléchisse. Et que je joue. Ouais. Alors, t'es où ? Petite toundra. Ouais, c'est vrai que faire Force of Will pour moins 1, ça a l'air bien. Force of Will pour moins 1, comment ça ? Ah oui, avec Urza. Je blague, Alfie, je blague. Non, mais j'essaye de trouver comment faire pour gagner du mana, hein, moi. Mais gagne pas de mana, t'en as pas besoin, ton général le fait. Hop, hop, alors, réflexion intense. C'est bon, t'as réfléchi ? Ouais, et ben... Tiens, Raken, tu prends un. Ah, ça c'est sournois, tour. Ça. Ça c'est sournois. Ouais, c'est la réflexion intense. Pioche d'étape. Le land pour éviter le daze, évidemment. Je vais tenter mon général. Bon, c'est ok. Daze. C'est ok. Double daze. Le général va... Est-ce que c'est là, Higgs, t'as dit oui ? Moi, c'est bon. Moi, c'est là. Hein. Moi, c'est bon. Okay. Je vais tenter d'enlever l'Esper Sentinelle. Ok, tu as l'Esper. Fort de cette fameuse victoire, je pense avoir plié la game. Wow. Ouais, je sais, ça m'a fait beaucoup. Tu peux y aller, du coup. Eh bien, je prends mon tour. Cache pour le tour. Je rappelle que je joue mono blanc, non aggro. Alors, il faut bien que j'ai des objectifs dans la vie. Un marais. Et pour deux, un cachet de Rakdos. Fin de tour, tu peux y aller, X. Qui veut faire en général pour que je te souffle. On joue tranquille, hein. On démarre tranquillement. Ouais. Et je vais mettre un fait en jeu et je vais dire fin de tour. Ok. Et ben c'est à moi. Je vais piocher. Je vais lander une plaine. Déjà tellement de choix. Ouais.
Tiens, on va donner une cible. Je joue un Mox d'Opal gratuit. Oui. Yes. Mmh. Et est-ce que je fais autre chose? Non, en vrai, j'ai rien à faire. Ok. Fin de tour, je vais faire un recyclage avec une step. Days. Non, pardon. Ça marche pas sur ça. J'aurais essayé. Stifle, par contre, ça marche. Stifle, ça marche. Un peu triste hein, quand même, Stifle sur ça. Ouais, mais ça marche. Un petit peu. Pioche du tour. 4. Landé. Pour 4. Je vais tenter un ordinateur de cérémonie. Qu'est-ce que ça fait ? Alors, au début de mon entretien, chaque adversaire choisit argent, ami ou secret. Pour chaque joueur qui a choisi argent, moi et ce joueur, on va créer un jeton trésor. Pour chaque joueur qui a choisi ami, moi et ce joueur, on va piocher. J'arrive à lire parce qu'il y a beaucoup de lignes. De créatures 1-1, verte, blanche, citoyen, pardon, c'est ça. Et pour chaque joueur qui a choisi secret, c'est la pioche. Voilà. C'est trésor, okay. 1-1, vert, soldat, citoyen, bref. Ou pioche de 4. Il s'appelle comment ton truc ? Ordonnateur de cérémonie. Master of Ceremonies, pour les gens qui veulent la version anglaise. Parce que c'est Beautiful Card qui n'apparaît pas. Parce que je n'arrive pas à le scanner. Non, mais moi, oui, c'est pour ça. Master of Ceremonies. On fait déjà cracher. Non, c'est pas le table, c'était mieux avant. Ouais. Bon. je vais déclarer du coup une phase d'attaque dans le pèlerin de Vassine va bloquer. C'est possible, oui. Juste une en représailles, Alfie. Voilà. Ok, bah, je prends deux. Et c'est une fin de tour. Il y a les deux coups. Pioche pour le tour. J'essaie de comprendre ce que fait ton rhinocéros. C'est du groupe bug. Je suis dubitatif. Ok. Tu nous répéteras ça ton entretien pendant 4 tours et puis ça finira voilà. Par rentrer. Jusqu'à la brasse. On va proposer un verger exotique. Et puis un petit talisman griffe de souhait. Mm-hmm. C'est rigolo ça. Ah oui, ouais. C'est bien ça. Ah ouais, on peut se toucher tout en fait. Tu veux me le donner? Ça s'active qu'en rituel d'ailleurs ça. Oui, c'est que pendant mon tour. Mmh, je peux l'activer en éphémère si je veux, mais c'est uniquement pendant mon tour. Bonne bébé. La question c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de l'activer maintenant tout de suite ou est-ce que j'ai le temps? Je pense que je vais continuer à faire du setup et pour deux je vais mettre un petit hôtel de la démence. Ça sort du film. Désolé, hein. C'est une de mes rares foils. Du coup. Ça pimpe. Ça se voit à la caméra. Ou je la change pour une non-foil un jour. Fin de tour. La fin de tour. En fetch. En réponse. Ah, putain, je m'en doutais. Attention. Pour deux, je suis un archiviste. C'est ce qui est drôle. C'est que je faisais ça en fin de tour. J'attendais que ça que quelqu'un joue un truc comme ça. Ouais, bah moi en fait je me suis retardé d'un tour, mais bon, écoute. Mais bah écoute, t'as pioché une carte, t'as gagné un point de vie. Ouais. Et X a flashé un archiviste. C'est beau la vie. Ouais. Ça me rappelle un peu la semaine dernière où je casse un truc et puis. La fille repose la même chose. C'est un peu l'échange. Dégagement. Pioche. Ouais. On va jouer une. C'est un peu triste. Une charmidriade. Et après, on va jouer. Étude rustique. Étude rustique. Étude rustique. Je mets étude rustique sur la pile. Et puis, si ça va à tout le monde, je dirai fin de tour. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Enfin, ça nous va pas, mais elle est là, quoi. Ouais, je sais bien. Putain. C'est pas grave, on va pouvoir étudier rustiquement, il n'y a pas de souci. De quoi? Attends.
Oui, je pioche, j'ai pioché. D'ailleurs, je suis très déçu de ma pioche. Il vous reste environ 2,5 secondes pour voter. Si vous voulez influer le vote, n'hésitez pas. Et c'est trop tard, évidemment, vous me donnez gagnant pour je ne sais quelle raison bizarre et étrange. Tu as gagné la semaine dernière, c'est pour ça. Ah. Bon, attention. Écoutez, on va... Ça. On va place, faire... Ils placent leur espoir sur le joueur gagnant. On va tenter de faire la police pour 3 et je vais payer le 1 du coup. J'ai joué la Vina. Ouais, ok. Bonne tour. C'est pas très long. Il lance un sort. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Combien de cartes en main, messieurs? 4 cartes. Bah, combien, Alfie? 6. Ah oui. Mais j'ai pas de mandat, j'ai non, pas j'ai eu mon mandat sur 6. deux coups, tiens. Carte. Je pioche? Ouais, tu pioches. Oh, trop bien. Trop aimable. Début de tour, du coup. Alors, entretien. Qui veut choisir argent, ami ou secret? Dans l'ordre, ça fait trésor, jeton ou carte. Choisir secret pour piocher. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Vous piochez, tout le monde pioche? Ouais. Ok, ouais. Et bah, je pioche 3 cartes, vous piochez une carte. J'ai vu ça, moi. Et comment pour jouer toutes mes cartes? Du coup, on va lander. Je... Ah non, c'est vrai que c'est une tannée à montrer. Du coup, 6. Là, il faut payer un de plus à chaque fois si on veut faire des choses. N'importe quel sort, hein, c'est ça? Ouais. C'est une non-créature, Lavinia. C'est une non-créature, oui. Oui, oui, non, c'est surtout pour l'étude heuristique. Ah oui, oui. Ah, c'est... oui. Ah oui, l'étude heuristique, c'est tout. Ouais. Un peu. Pour 3, je vais faire un torque. Tu vas me faire du mana. Oui. Ouais. Pour 4, je vais faire Adeline. Tu vas me faire des jetons. Quand tu attaques. Oui. Quand il attaque. Enfin, pas quand elle attaque. Quand j'attaque. Je vais rentrer en phase d'attaque, du coup. Je vais amener Loran chez Higgs et l'ordonnatrice bah, chez Doku cette fois-ci. L'ordonnateur, pardon. Du coup, je vais. C'est pas quand on attaque 1-1. Pardon ? Adeline, c'est pas que quand elle attaque ? Non, non. J'ai quoi que j'attaque ? Non. C'est pour ça qu'elle est trop bien, Adeline. Ouais, 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 c'est fort. 3-4 chez Doku, 2-1, vigilance. Oui, bah, chez... je prends 4. Ouais. Tu prends 4, il y a le machin, donc je bourre à 3. D'ailleurs, en fait, tu fais 3 jetons. Oui, c'est quand tu attaques pour chaque adversaire. Donc t'en fais aussi un pour Alfie, il y en a aussi un pour Alfie. Ah, c'est pour chaque adversaire, pardon, je crois que c'est chaque adversaire. Ouais, bah, moi je vais en bloquer un avec mon archiviste, du coup. Enfin, celui qui m'attaque, vu que c'est qu'une 1, je ouais, la petite 1-1, je vais la bloquer avec l'archiviste aussi. Ça marche. Tu prends 2 de général du coup, X. Ouais. Ok. Je vais chercher mon jeton. Et bah, c'est une fin de tour du coup. Début de tour. Pioche. Land. Passe. Oui. Oh, ça me va. Tu payes un peu plus. Ouais. Allez. Ok. Ben on remet les jetons dans la boîte. Combien de cartes en main, tout le monde? Ben 7. 5. 5. Tiens, X, je vais te faire gagner. Trop aimable. Hop. Ce sera la fin de tour. C'est la carte qui va me faire gagner. C'est une fin de tour après ? Allez. Ah bah oui. Je n'ai plus de mana. J'étais tellement fier d'avoir mon petit jeton.
Mince. Peine. Tu peux. Ah. Oh, j'ai un choix. Je crois que je vais faire ça. Attention, on voit ton choix à la caméra. Des choix, des choix. Est-ce que. Ah. J'aime pas bien ce genre de carte. J'ai l'impression que l'avantage est certain. Oh, allez. Je joue Chrome Max en exilant Beast Within. Ouf. Okay. Et vert. J'ai payé 4. 10 m'étouffantes. Oh là, bah oui, bien sûr. Et du coup, oh, tu sais quoi, péter un Ragan. Je sais où aller. Lequel, je sais pas. Pioche, tu peux faire ton. J'ai pas. Ouais. Tu sais, si je vais lander un passage en version bleue. Ouais. Ensuite, je vais payer 2. Tu vas pouvoir piocher. Je vais tenter de jouer un canoniste des étermentés. Ça me va. Pas beaucoup là, Alphine. Pas d'effet. Moi, ça me va. Pour 2, pour pas que tu pioches, du coup, j'ai joué Emery qui me coûte que 1 bleu, étant donné que du coup, j'ai 2 artefacts. Oui. Voilà, et je paye du coup un de plus pour pas que tu pioches. Donc, quand elle arrive sur le champ de bataille, je meule 4, une Mystic Forge, un offre qui ne se refuse pas, une Teferi Protection et un Sculpteur d'Ethereum. Ah, et non, là, Dim étouffante plus étude heuristique. Ouais, c'est ça. Tour. Ouais, bah, j'ai pioché sur le camp. J'ai raté mon lamp drop au tour précédent. Alors, Ragan a pioché. Oui, Ragan n'a pas payé 2. Ouais, tu peux poser. Oui, non, j'ai oublié, donc tu peux. C'est quoi? Non. Pas comme ça. Je pose un temple de la fausse divinité pour faire encore plus de mana. Oui. Cher ce con. T'as combien de cartes en main, Higgs? 4. 4 et 2 mana disponibles. Pour 5-6. Je vais tenter le run. Du coup, t'as un effet? Du coup, en effet, en payant l'aristique. Oui. Ouais. Oui, j'ai payé l'aristique. Oui, ça me va. Va, Alfie. Oui. Oui, ça me va. Voilà. 10 m30. Ok. Je pense que c'est la meilleure cible aussi. Ouais, je pense que vu que t'as pas beaucoup de mana, tu pioches beaucoup, ça te fera pas grand chose. Bah, si je pioche beaucoup, je trouve mon mana. Il faut que tu trouves ton mana, mais tu peux toujours payer, poser qu'un mana par tour. C'est vrai. C'est vrai, mais de toute façon, je peux pas jouer plus d'un sort par tour à cause de la sermon. Ouais, c'est pas faux. Je vais quand même faire moi un Atlas infini. Et la question, c'est que je te fais piocher. Non, je te fais piocher. Tu peux piocher? Ouais, vas-y. Donc, kiff. Tu peux y aller, donc. Début tour. Pioche. Pas trop le blink pour l'instant. Je vais lander cette Inventor Sphere qui peut toujours me permettre d'aller chercher un artefact un jour. Ah, je cherche un artefact. Il faut en profiter maintenant, les deux archivistes sont morts. Bah oui. Je le ranime avec Emery. C'est pour ça qu'il a fait une damnation, c'était les archivistes qui l'embêtaient. Non, je croyais qu'il commençait à avoir trop de bêtes. Tout simplement. Le jeu, il avait 4. Ouais, tu sais, t'en avais 5 chez toi ou 6. Il y avait des trucs. Vous avez trop peur des bêtises.
On a trop peur des bêtes sur la chaîne des chroniques. Ouais. Dès qu'il y a, mais pourtant, même pas quand ça joue pas de bêtes. Dès qu'il y en a plus de 5, il faut faire une brasse. Mais non, mais c'est terrifiant. Terrifiant. Qu'est-ce qu'on fait dans quel ordre? Compliqué. C'est compliqué de jouer à Magic. C'est vrai. On jouera au Duplo la semaine prochaine, si tu veux. Genre, ouais. Le chat verra bien les pièces. La bataille. La bataille à 4. Faut pas d'aller coucher. Hein. C'est sûr qu'on peut trouver une variante. Bah ouais, ouais, mais bon, faut 52 cartes chacun. Ah oui. Ah non, pas de 52 cartes chacun, mais bon. Vu déjà une bataille, ça te prend 3-4 heures. Ça va aller. 4. Une forge mystique, tu peux piocher. Trop aimable. On va l'enlever. Payer un point de vie. Tu vas l'enlever, c'est ça que t'as dit ? Je vais me débarrasser de cette tour de commandement. La capacité de la forge mystique. Oui, mais j'ai cru qu'il a enlevé. Donc, j'ai perdu un point de vie pour le faire. Il regarde le dessus de son deck. Une bien belle carte. Ouais, bien. Ouais. Ok, bon. Je vais tuto un truc, je sais pas quoi encore. Tu le donnes à qui? Bah à toi, Ryan, c'est pour toi. Okay. Prends ce talisman de griffe. Cherche où ils sont les miens. Et moi j'essaie de savoir ce que je vais tuto dans l'histoire. Pour l'instant je n'en ai aucune idée. Bah déjà, est-ce que tu feras quelque chose avec ton dernier mana ou pas? Bah, je sais pas, peut-être que je tuto Sol Ring, je suis pas encore décidé. T'en es là. Donc, à voir. Où t'en es là? J'essaie d'estimer tout ça. Non, tu peux y aller, Higgs. Ok. Pioche. Tuto ceci. Mer de nuages. Mettre de côté. Le Chromox. On peut à part. Là, je vais payer deux pour jouer un Arcane Signet. Et. J'ai payé 3. Pour jouer un Archonte Nemeria. Alors, il se passe des choses. Allez. Alors. Ouais. Une 2-3 vols. Personne ne peut jouer plus d'un sort par tour. Les terrains non base et vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé. Ok. Voilà. Fin de tour. Je dégage. Je pioche. Bah, au revoir. C'est bien, c'est la soirée stax, hein, pour le coup. Bah écoutez, du coup, je vais lander une plaza du héros qui arrive engagée. Là. Je vais engager Emery et je vais recaster du coup mon Esper Sentinelle. Paye 1 Est-ce que je paye 1? Oui. Non. Ok. Pour 3, parce tut que tut maintenant j'ai le. Tutut. Oui. Tutut. Ah, je peux pas. Démarrer. T'as joué un sort. C'est trop tard. Oh, tu peux activer des capacités. Ouais, j'active la Emery en boucle. Et ça pour une vieille 1-1. Ouais, aïe, mais aïe. Ça me permet de piocher. Pas sûr. Oh là là. Encore faut-il qu'on joue les sorts. Bah écoute, du côté fin de tour. Hein. Ouais, et bah écoutez, parce qu'un playset de trucs, j'ai même pas foutu de trouver. T'as un tuto. Ouais.
T'as qu'à le rendre à deux coups, comme ça, ça ira bien. Mais ouais, je sais pourquoi il me l'a filé. C'est parce que moi, j'aime pas tuto en commandeur. Et là, je vais lui filer la carte parce qu'il saura pas quoi aller chercher. Il faut que je regarde les boîtes que j'ai à côté de moi, ça se trouve, il y en a un. Ah oui, je sais qu'il y en a un. Allez, j'en ai un. Hop, fin de tour. C'est quoi les cartes dans les mains, s'il vous plaît? J'en ai 5. 5. 4. Mais il fait pas possible. Je viens de la jouer. Parce que X, il a Ristik. Oui, je viens de la jouer, voilà, on règle le problème. Ok. Ouais, dégagez. Pour 3, je fais une pierre de Garmon. Ok. Non, pour 4, pardon. Pour 4, pour 4. Ok, donc moi aussi, du coup. Oui, 4. il me reste 3. Oui, mais tu veux pas jouer d'autres sorts. C'est un artefact. Ah oui, je peux en plus. Oui, non, mais Arconte, t'as Arconte des meilleurs. Non, oh, je fais ce que je veux. Moi, le patron. Arconte des enfers. Arconte des enfers. L'Arconte des enfers. Je sais, une 2-3. C'est une 2-3. C'est une blague. Vol. C'est qui vole. Non, c'est une très bonne carte. Hein. Très bonne carte. L'Arconte des enfers, je bon, deux coups, t'es noir rouge. Débarque-nous de cette connerie. Attends, on va attendre de voir ce que fait Ragon avant. Ragon, il a pas... Bah, il a joué sa pierre, du coup, il peut pas jouer d'autre sort. Hein. Est-ce que tu me rends mon tuto ou pas? C'est une 2-1, c'est ça? Ouais, c'est une 2-1. Est-ce que tu tues ta... Ah, quoique, tu vas me la faire à chaque tour. Ouais, je peux péter l'esper et machin. Mais non, je vais prendre 2. Tu veux rien faire de ta game tant qu'il y a ce pia? Non, je vais prendre 2, écoute. Ah ouais, parce que comme tu voulais, j'allais reculer mon attaque. Non, tu peux aussi attaquer chez moi, hein. Tu la perdras, ta créature. Hein. C'est ça le but. Bah, c'est pour ça, ça m'embête un petit peu. Ouais, et puis après, tu peux la recaster pour péter la restique. Bah, j'ai pas assez de mana. Ouais, mais je pense pas que ce serait... Oh, ça aurait pu passer peut-être. Fin de tour. Du coup, tu pouvais pas la jouer sur ça. Je n'ai pas récupéré mon tuto. Je suis triste. Bah, en même temps, je sais pas ce que j'ai dans le deck. J'ai piqué un deck, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est le temps de regarder le point d'exclamation decklist. C'est vrai. Tout à fait. Et la decklist, les decklists dans le chat. Hop. Ici. Pendant que Doku prévoit son prochain tutor. Quand il pourra le jouer, quand il pourra l'avoir. Ouais. C'est pas fini, mais je vais payer un point de vie si on levait la carte du sud de Lugotte. C'est un champ de ruines. Ah ouais. Eh bien, pour 5, Shieldred. Tu payes le... Oui, je paye. Bien sûr. Paye la dernière défense de Higgs. Tu payes? Ok, tu payes ça. Ok. Elle est là. Fin de tour. Engagement. Pioche, je prends 2. Tu vas perdre 2. Haha. Ça y est, deux coups à gagner. Vous avez bien fait de musique sur lui. Je vais. Honnêtement, si ça me fait gagner la game. Ça. Bah, c'est un sacré avantage, hein. T'occasion. Mm-hmm. Ok. Début du combat. Deux coups. 2-3 vols vigilance. C'est toi. Et bah, je suis pas content, mais je prends 2. Et ce sera une fin de tour. Dégage. C'est la soirée de la Stax quand même. Hein. The Stax Day. On est là pour ça. Y'a que Ragun qui a pas mis une pièce de lock en jeu là pour.
Bon, j'ai juste. J'ai t'as perdu tes deux points de vie sur Shouldred, Alex. Pas bien. Non. Shouldred, la carte est forte, hein, mine de rien. Non, mais. Shouldred, est infâme. Hein. Bonne stat en plus et tout. Ouais. C'est une très bonne carte. Ouais. Une carte pour avoir playtesté un deck un peu pionnier. Je l'ai testé contre pas mal de decks. J'ai testé contre ce truc. C'est juste infernal chez Obrad. Infernal. Parce qu'elle a des bonnes stats. Elle bloque absolument. Elle bloque énormément de choses. Sans mourir souvent. Et puis, ben. Ouais, ça bloque un peu tout le format dans une 4-5 pour 4 en pionnier. Mortel, t'emporte tout en plus. Voilà, c'est ça. Je vais. Engager Emery, targeter ma forge mystique. Ouais. Forge mystique. 1, 2, 3. C'est con en fait. C'est con. Pourquoi il manque du mana? Je me fais la même réflexion, figure-toi. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Du coup, ça va être le sculpteur d'Ethereum, excusez-moi. Oui. Okay. Et pour 4, Wrath of God. Je vais avoir une réponse. Oh, c'est intéressant ça comme play. Je vais avoir une réponse aussi. Du coup, c'est le premier dans la pile. C'est Ragan le premier dans la pile. Je fais rien moi. Je vais sacrifier Shouldred sur mon hôtel pour m'auto-mêler de 4 cartes. Ok. Quand t'auras fini, tu me diras. Toupie. Nominément, une toupie et une guivre dans le cimetière en rab. Et une cour de l'ambition, mais on s'en fiche un peu plus. Ok. Higgs. C'est bon pour moi? C'est bon pour toi, du coup? Ouais, c'est tout. Je vais engager l'Archonte avec la capacité de Tokazia. Enfin, Tokazia lui donne la capacité de surveille. Donc surveille, c'est le scry qui permet de mettre au cimetière. Ouais. Et je vais mettre Néoforme à la benne. Et après, ça me va. Hop. Combien de cartes en main? Ah non, quoique il y a. Non, t'as sacrifié machin. D'ailleurs, t'as pas payé un de Alphine. Bah non, parce que c'était en réponse. Du coup, si tu pioches, du coup, tu perds tes deux points de vie. Parce que Shouldred n'est pas encore morte. Les cartes en main, s'il vous plaît. J'ai compris 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Je veux bien piocher, s'il te plaît. T'as dit quoi? Bah, je voudrais bien piocher, s'il te plaît. Ah bah vas-y, pioche. Merci. Hop. Carte meurt. Ragan, les subtilités de la politique, il connaît pas trop. Tu as joué ton sculpteur derrière pour non, parce que j'ai eu une pleine attention. Ah, mais ouais, je vais. Est-ce que je joue mon sculpteur Tu veux mon sculpteur. Hop, et je vais même pouvoir payer le 1 du coup. Waouh, tu payes le 1. Waouh. Do you pay the 1? J'ai un sculpteur. Un sculpteur. Vas-y, à toi, Ragan. T'as vu, grâce à moi en plus. Tu vas pouvoir jouer ton général pour péter la ristique. C'est vrai. Je vais d'ailleurs piocher. Je pioche d'allégresse. Hop. Je prends. Bon. Hop. Je vais piocher. Alors j'ai pioché avec l'Atlas. Je pioche encore en recyclage. Mmh. Ok. En fin de tour ou à ton tour? On est toujours en fin de tour de. Ok. De Alphie. Y a plus rien qui est marqué éphémère sur la carte. Non, c'est bon. Hop. Du coup. Ah, non, c'est un rituel. Un rituel de truc. Tac, ça va. Là. Pioche pour le tour. Un Tapland. X, t'as combien de cartes en main? 2, 3, 4, 5. 5 cartes en main. Attendez, je regarde un peu le chat. Bon, allez, là. Tu nous débarrasses de l'aristique là ou pas? Ah ouais, c'est ce que je vais essayer de faire. Allez. Ok. Au pire, tu prends un contre-sort, je veux dire, il y a un moment donné. Ouais, c'est ça, voilà, ouais.
Pour deux, je vais engager cette magnifique carte Magic pour aller chercher un truc. Oui. Alors ça coûte 1. Ça coûte 1. Ça coûte que 1 ? Oui, oui. Ouais. Ah, je crois que c'était 2. Non, non, c'est 1. Oh là là. Tu l'envoies chez qui ? Le Black Friday, chez toi. Ah, trop bien. Quoi ? Non, il faut pas l'envoyer chez Doku. Bah, il me l'a donné, moi je lui rends. C'est un peu une connerie, mais bon. C'est oui, t'as fait une connerie parce que imagine qu'il a, il a pris une carte de combo dans sa main et que là, hop, il va chercher la deuxième carte. Bah, pof, combo. Bah, combo. Le chat, je vous laisse regarder ma decklist. C'est une si j'ai Dragon, un combo dans, dedans. Là, là c'est la double bête parce qu'il est 21h50. Ça veut dire que si Doku fait une combo maintenant, on peut refaire une deuxième game. Ah oui. Mais non, je prends pas, moi je prends. C'est ça. Hop. Et en plus, X vient de dire. Non. X, il a dit quoi ? Non, pas là, pas... Il a dit qu'il ne peut pas du tout. Il est complètement d'accord, il est super chaud. Peut-être mauvaise foi. Tu pourras jouer contre mon écran noir qui servira de tapis. Ah là là. En pour vrai, l'écran noir, il gagne un peu par défaut. Four. Oui, c'est bon, il n'y a plus rien. Je tente Eliod. Ah, attention, ça met en place les combos. Pas de liste. Ah. Du coup Bah écoute, j'ai rien à dire. Ok, X. J'ai pas de réponse à ça. Est-ce qu'il y a baliste en plus ? Alphie, tu fais quelque chose ? Bah non. Est-ce que tu payes 1 ? Est-ce que tu payes rituel en main ? Attends, est-ce que tu payes 1 ? J'ai payé 4. J'ai payé 1. Ok. Ça veut dire que j'ai que des rituels en main. Mais j'ai pas payé 1. Est-ce que tu payes 1 ? Non. Je pioche. Mm-hmm. Solution ? Ouais. Non. Il est là, elle est là. Elle a deux marqueurs sur elle, du coup. Et je vais, grâce à Eliod, lui donner le lien de vie. Et je vais tenter de gagner. Je vais retirer un compteur pour infliger une blessure à Doku. Doku, est-ce que t'as une réponse ? Non. X ? J'ai pas de réponse. Alfie ? Je suis full tap. Bah oui, mais bon, on sait jamais si t'avais déjà les contres ou les... Non, les... j'ai une créature, un rituel, une créature et un rituel en main. Du coup, je récupère mes points et je voulais... Je voulais tellement, protéger, moi Ristix te dit, que j'ai pas joué en flash ça. Parce que j'avais ça en main. Il t'empêchait de la péter. Ouais. J'ai pas assez de mana pour les deux. Non, parce que. Enfin. Ah là là. Tu j'ai un sword en main. Enfin, je lançais pas la combo, mais je récupérais quand même la carte dans ma main. Après, je sais pas si Doku gagnait à son tour. Avec le tutor que je te rendais, est-ce que tu gagnais ? Alors, j'ai 6 mana en fait. J'ai fait la blague comme quoi j'allais chercher Sol Ring, c'était presque pas une blague en fait. Hein. Le jeu est un peu manavore et donc non, je n'ai pas encore réussi à aligner de pièces de combo personnellement. Donc tu gagnais pas ce tour-ci. Pas du tout. Et ben voilà, le chat, il fallait miser évidemment mono blanc comme toujours. Non mais très beau, très beau, très bien. Et ben victoire à moi. C'était super. Moi c'était super. Court mais bref. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Ouais la même. Non mais j'ai fait du setup. En fait vous avez brassé tous les deux. Bah ouais. En fait le truc c'est que genre encore, j'avais j'ai eu mon T1 qui me permettait de piocher sauf qu'il a été pété tout de suite. Ensuite j'ai perdu un tour parce que en fait je pensais qu'il y allait avoir plus de personnes qui allaient chercher dans la bibliothèque donc du coup j'ai pas joué mon truc T2. Qui fait que ça m'a retardé la madame là qui fait que vous pouvez pas jouer de sort à plus que vos trucs. Et en fait, après, tout a été désaxé. Quoi. Ouais. Après, le problème de votre... De toute façon, il y avait la brasse. Le problème de l'archiviste, c'est que quand vous le jouez, vous, il n'y a que deux joueurs qui peuvent rentabiliser l'archiviste parce que moi, j'ai quasiment pas de fetch dans le deck. Mais je joue l'archiviste, ouais. Du coup j'ai trois adversaires qui peuvent potentiellement me rentabiliser. Il y avait un adversaire de moins pour vous quoi.
Et après, non, bah écoute, Doku, ton impression de ton deck. Ce fut court, mais bref. J'ai pas eu le temps de faire grand chose. Hein. Honnêtement, j'ai vu peut-être 10 cartes du paquet. Donc, ouais, voilà. Je peux pas en dire grand chose. Hein. Est-ce que tu aurais envie de le ramener une prochaine fois, quand même, pour retenter? Non. peut-être, mais encore une fois, là, je l'ai vraiment pas vu tourner, donc je n'ai absolument aucune idée à quel point c'est bon ou pas. Donc à voir. Mais du coup, peut-être que vous le reverrez, parce que j'ai été un peu déçu et je voulais faire des trucs avec ce Mishra et je n'ai rien fait, donc peut-être. Donc il aurait pu, parce qu'il y a pas mal de... C'est pas dit. Pour moi, c'est quand même une plaie, quoi. Je veux dire, je peux pas targeter trop tes... Enfin, je perds un permanent. Le jeu est bourré de tuteurs, mais la main de départ n'était pas forcément sublime. C'est juste qu'après 5 ou 6 renvois de main dans la bibliothèque, il y a un moment donné, faut se décider. Et j'ai gardé un truc avec le tuteur, et puis en me disant, bon, on essaie de faire des choses. Très clairement... Le pack n'a un peu rien fait, donc c'est pas grave. C'est quoi que t'as tuto? C'est la joie du niveau 8. J'ai tuto Sheoldred. Ah. Je visais une partie un peu plus longue. J'avais pas besoin d'aller tuto immédiatement une pièce de combo. Encore une fois, les 6 mana. Et la combo principale du paquet, c'est réservoir d'essence. Qui fait gagner des points de vie et c'est ça et Citadelle de Bolas, donc il y a un peu de temps avant de le mettre en place, quoi. Slammer Citadelle, ouais. c'est bien, mais il faut quand même avoir déjà protégé son board avant. Faut du répondant sur la table, ouais. Donc j'espérais que ça dure un peu plus longtemps et avoir le temps de me placer. J'avais encore un tuto sur table, un tuto dans la main. Donc il y avait encore tout le temps du monde pour faire ça, mais bon, malheureusement, Ryan a été plus rapide. Bah, j'ai pioché la deuxième pièce et j'avais un tuteur du coup pour chercher la... Ouais, enfin, j'ai pioché la première. Je ne savais pas à qui filer ce truc. Je pense que la prochaine fois, j'active son effet et je sacrifie l'artefact en réponse. Vous pouvez le sacrifier en réponse? Je ne sais pas, faut trouver... En vrai, souvent, t'as le... Le machin blasting, enfin la station qui tu l'engages, tu sacrifies un artefact, ouais, bref, on verra, c'est à voir. Peut-être qu'on fera 2-3 modifs, bah, encore souvent, une fois, vu que souvent tu l'utilises quand du tu paquet. Vas oui, c'est souvent ça, ouais. Tu joues dans le même tour, oui, c'est ça. Tu joues, mais j'avais besoin d'aller chercher un truc parce que ma main était vraiment l'autre tuto étant le sublime tuto qui a été réédité dans l'édition, et il me fallait une créature et j'avais pas de créature. Ouais. Higgs. Et ben famoso, écoute, je surveille de là. Eh ben écoute, j'ai essayé de vous surveiller. Les Vras dans un deck créature, ça fait toujours mal. Ouais, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de répondants au deck. J'avais pas de solution pour le dernier combo, mais ouais. J'avais quand même des petits façons de bloquer la partie pour pas qu'elle aille trop vite. En fait, vous avez dû de toute façon gérer mon board de façon régulière pour pouvoir avancer dans votre jeu, donc je crois que le rôle de mon deck a été rempli. Tu vois, donc d'une certaine manière, j'ai gagné. Hein? D'une certaine manière, j'ai gagné. Non, j'ai pas dit ça. Je dis juste, c'est ça, c'est le rôle du deck était rempli. J'ai pas gagné. Moi aussi, je visais une partie très très longue pour amasser un board conséquent et slammer Elechnorn ou Kamal. Mais la partie a pas duré assez longtemps. J'ai pas pu la stabiliser assez bien. Voilà, c'est comme ça. Mais je suis vraiment surpris. Tu vois, le stack, c'est pas spécialement mon style de jeu. Mais ça m'a pas déplu de jouer ce deck-là. Ouais. Bah après, t'as des couleurs un peu sympas qui sont pas juste du blanc et du vert, donc
t'as peut-être, ouais, peut-être un peu mieux non, à, surtout, à aimer. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu peux jouer beaucoup de créatures avec plein d'effets et tu peux filtrer, ouais, ton deck avec, avec Tokazia. Tokazia, elle est vraiment là pour aider le deck à avancer et à trouver les solutions dont il a besoin, quoi. Donc c'est bien, tu vois. T'es pas ultra dépendant de ton général. Déjà ça, je trouve que c'est un bon point. Même si t'es content de l'avoir, tu vois, parce que c'est quand même sympa d'avoir des bloqueurs et mettre des petits points par-ci par-là comme j'ai pu le faire avec l'Arconte. Mais c'est aussi sympa d'avoir un deck fonctionnel même si ton commandant se fait gérer 50 000 fois, quoi. Après, t'as été le plus menaçant sur la table avec t'as mis des enchantements assez bourrins, quoi. Ouais. Non, mais oui, d'accord. Ah bah le combo mana, ouais, sur votre pioche, pioche quand vous jouez des trucs, ça fait peur. Hein. Ouais, ça fait mal. Ah bah ça, oui, ça met tout de suite une cible sur la tête. Après, tu vois, je préférais garder la Rhystic Study. Parce qu'il fallait justement que j'aie plus de cartes. Vu que c'est un deck créature, j'ai tendance à les cracher très très vite mes cartes. Donc en fait, j'étais content d'avoir déjà fait que deux trésors, tu vois. Deux trésors, c'est suffisant, je trouve. Ça m'a permis, je les ai gardés super longtemps, mes trésors. Et ça a pu me faire des réponses pour plus tard, quoi. Non, je suis pas déçu du deck. Je suis même très content de comment ça s'est passé. On peut pas toujours gagner, mais... Non, il y a eu du beau jeu. Et du coup, Alfie, oui, s'est mis une cible tout de suite sur la tête avec son Sentinelle d'Esper. Oui, bah, c'était ça. C'était j'ai vu Ligan, je l'ai vu, j'ai fait, oh, bah, c'est bien, ça me manquait de la pioche dans mon deck. Enfin, là, dans la main, il fallait que je pioche, donc ça m'a permis de piocher une carte. Et en fait, j'ai fait une Manades qui a été très compliquée, plus le fait que le tour où je pouvais jouer plusieurs sorts, de dire, bah non, tu peux jouer qu'un seul sort, bah voilà, quoi. Et c'est vrai que quand ton seul sort de gestion que tu trouves, c'est une Vrasse, et que tu as des créatures sur table, bah, c'est un peu compliqué, voilà, quoi. C'est vrai que moi j'ai pas vu mon deck tourner beaucoup. Le truc c'est que moi aussi, c'est un deck combo avec j'ai aussi Baliste et Lyod. J'ai aussi la possibilité de faire mana infini avec un monolithe et le Ring of Bright Earth là. Ou alors j'ai un power artifact là, qui permet de réduire le coût de 2 aussi. Et ça, en gros, je suis aussi mana infini à color et après Balista derrière. Et en main, bah, j'avais un fabricate qui me permettait de chercher une des pièces de combo. Et j'avais aussi un mageur au breloque qui me permettait de chercher une autre, mais il me manquait quelque chose pour assembler vraiment tout le truc, quoi. Voilà, après bah, sur la game, oui, comme dit, pas l'impression d'avoir beaucoup joué, toujours à chercher des réponses, à essayer de savoir quoi jouer au bon moment. Je me suis beaucoup décurvé avec le Ogma, comme je t'ai déjà dit. Et Urza, c'est vrai que je pense que oui, il a du potentiel pour faire des dingueries. Après, peut-être que je suis pas le bon pilote pour ça. Voilà. Ça me fait penser. Ça dépend. Tu dis que tu t'es décurvé avec Ogma. Ben, je crois que t'es pas le seul, parce que l'Arconte d'Emeria, je l'avais depuis le début. C'est la commande de départ. Et j'ai fait exprès de garder mon mana d'étape pour pouvoir le jouer. Donc tu vois, on était deux. On était deux. C'est pas une carte. C'est pas facile à jouer, je trouve, en vrai. Bien calé. Bien placé, ouais. Bien le placer avec le reste de ta main, surtout si t'es obligé de te décurve dessus, tu vois. Ouais. Pour ma part, bah du coup j'ai eu un Loran qui a trouvé les cibles quand même beaucoup plus intéressantes que la semaine dernière. Un peu moins la tristesse. Pas trop de blink au début. Et en regardant la liste, en fait, si j'avais pas pioché la baliste, il y avait. Je pense que j'allais chercher une Vrasse. Qui allait gérer les enchantements comme un commandement d'austérité ou un adieu.
Voyant le board même des créatures de Higgs et Alfie avant qu'ils jouent la Vrasse, j'étais même en train de tenter d'estimer Elechnorn aussi également. Il avait l'air intéressant pour brasser le board facilement sans trop de prise de tête. Après... en considérant aussi que j'aurais enlevé ta 2-3 vols. Non, tu vas pas enlevé la 2-3 vols, ça serait resté quoi. Si, j'ai un Pass to Exile. Parce que ouais, mais du coup, tu aurais utilisé deux cartes pour avoir ça plus Elechnorn. Non, mais je le faisais à la fin. Il me restait un... J'avais gardé... C'est pour ça que j'étais fait j'ai sur compris, un truc, c'est parce que je gardais un mana blanc. J'ai compris maintenant. Je gardais le mana blanc pour le sword. Et du coup, le deck était cool. Pardon ? Je viens de réfléchir. Ah, pardon. Et non, bah du coup, après le deck, il est tout sympa. C'est juste un deck blanc. Et à un moment donné, j'ai fait j'ai pioché la baliste. Bah, du coup, on va finir la game. Parce que visiblement, la Vrasse est passée. Il n'y avait pas de raison qu'elle passe pas. Du coup, enfin, il n'y avait pas de raison que tu la laisses, je pense, Higgs sur table. Donc, enfin, pour se résoudre. Donc, du coup, je me suis dit que ça devait être censé être bon. Et puis c'était bon, quoi. Ouais, ben oui, t'as attendu le moment. Et donc on nous dit dans le chat qu'effectivement l'Arconte et les Headbear, il faut vraiment les slam quand ils t'apportent plus qu'ils ne te coûtent. Eh oui, je sais. Mais comment dire. Ah, après c'est facile de loin. Hein, et... Ouais, c'est... Et après, et puis, sur toi, quand j'y réfléchis, je crois que j'aurais fait la même chose. Parce qu'au final, l'Arconte, qui fait beaucoup plus... Enfin, dans cette partie, je trouve qu'il a fait beaucoup plus mal quand on avait le mana de jouer deux cartes. Parce qu'on a dû commencer, ça a bloqué beaucoup de... Bah, tu vois, typiquement, Alphys, ça l'a bloqué tout de suite. De ne pas pouvoir jouer deux sorts de suite. Donc, je crois Et puis j'étais déjà derrière en plus, tu vois. Voilà. Donc, je suis pas... Non, je suis pas mécontent de quand je l'ai joué. Mon Arconte. Je trouve qu'il était bien placé. Il était assez bien placé. C'est peut-être l'Archiviste qui était un peu plus difficile à caler, mais... Ah, t'as mis une 2-2 pour 2 en flash, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Pas fou le truc. Et bah, du coup, la soirée level 8 qui a dépoté comme nombreuses soirées level 8. J'espère que voilà. Ça vous aura plu quand même. Hein. Oui. C'est vrai que c'est un peu court par rapport à d'habitude. Mais bon. N'hésitez pas à le dire ici ou en commentaire YouTube quand la vidéo sera disponible lundi. Vous passez, vous faites un petit commentaire sur cette soirée si vous trouvez que c'est pas dérangeant, que ça finisse plus tôt ou que voilà, enfin bref, même d'autres choses. Hein, c'est juste que ça finit plus tôt, donc j'y pense. Mais du coup, voilà. On rappelle donc les liens, la description, les liens sont dans la description, enfin dans les commentaires, excusez-moi, deux coups qui les affichent. Donc le YouTube pour venir récupérer le replay à partir de 17h30. Lundi prochain pour revoir cette game. Vous avez évidemment le Discord pour venir discuter. Donc si vous avez envie de discuter un peu plus de cette game là ou d'autres choses, voilà, n'hésitez pas à passer. Et également le Twitter où vous pouvez regarder bon, pas du tout. Vous pouvez nous suivre si on est sur des déplacements ou si on part en live ou si justement on a les vidéos YouTube. Associés, n'hésitez pas évidemment sur YouTube, n'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu de la je vais y arriver. Commence à être un peu soif. La fatigue ce soir, ça y est. Ouais, gorge sèche et tout. Prochaine grosse échéance, vu que Ragen perd la parole, le live suite aux prochaines annonces sur le duel commander, donc lundi soir, hein, la prochaine annonce avec peut-être des changements sur la banlist, on ne sait pas, on verra bien ce que le comité nous a réservé. Si ça vous intéresse, voilà. S'il y a certains parmi vous qui suivent aussi un peu le duel commander et pas que le multi, n'hésitez pas à faire un tour lundi. Ça risque de vous intéresser. Vers 20h. J'espère arriver avant 20h parce que eux, en général, ils attendent pas. Ils ont besoin d'aller se coucher. Les membres du comité, ils sont un peu vieux. À 20h, on lance l'annonce, ça pourra manger la soupe. Voilà. Ils ont bien raison. Et évidemment, quand on se sera bien chauffé, on fera un peu plus de promos. Mais maintenant, on est aussi sur TikTok parce qu'on est vraiment des schlags qui n'ont rien à faire. Et on se met partout. Qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Pour le moment, je fais de l'unboxing de Secret Lair. Voilà. Wow. On teste des choses. On teste le réseau un peu.
Moi, j'ai vu. On essaye de voir le potentiel. J'ai vu. Je regarde un peu TikTok, tu vois. J'ai vu. Comment il s'appelle? Play to Win. C'est une chaîne de CEDH. Ouais. Hein. Mais ils ont un truc super intéressant qui convient assez bien au format TikTok, je trouve. C'est est-ce que tu gardes cette main? C'est juste, ils montrent le général, ils montrent une main, et est-ce qu'on la garde? Ça, c'est juste, t'en discutes dans les commentaires. Je trouve que c'est super intéressant comme format. Tu prends un peu de temps pour, enfin, tu prends pas longtemps pour, t'as cette main devant toi et tu essaies de réfléchir à est-ce que tu la gardes. Bref, voilà. C'est intéressant. C'est ce que j'ai vu. Ça m'a parlé tout de suite. Comme intéressant, c'est intéressant. Ouais. Potentiellement, là, le projet qui va arriver sur TikTok, c'est j'ai un calendrier de l'avant que je vais faire suivre. Donc, du coup, il y aura 24 jours d'affilée de TikTok. Là, je sais. Wow. Moi, je sais faire que ça. Hein. Moi, je sais faire couvrir des boosters. Hein, donc, ou alors, je mange devant vous des chocolats tous les matins. C'est une minute de Ragan en train de bouffer un chocolat. En vrai, une minute, un booster, un chocolat. C'est un super titre en plus. Une minute, un booster, un booster, un chocolat. C'est super. Beau. Non, en plus, tu le dis avec une voix bien suave. Si vous avez des amis qui sont dans le voice acting chez vous et qui savent faire les voix suaves, n'hésitez pas à leur envoyer notre mail. Oui. C'est quoi la ligne déjà? C'est... De quoi la... Une minute, un booster, un chocolat. C'est quoi le premier? Une minute. Une minute, un booster, un chocolat. Allez, on y va. Voilà, du coup, va pas dormir. Allez, il fallait l'enregistrer maintenant. Tu vas pouvoir le mettre. C'est tout pour moi. Bonjour, merci. Tout le monde. On est parti pour une minute, un chocolat, un booster. Non, voilà, pour le moment, c'est juste du. Oh, bah, dis donc. De violence. Pour le moment, c'est juste de l'unboxing, mais effectivement, le Keep on Mule, il est intéressant. Et voilà, le compte est ouvert, donc du coup, n'hésitez pas à proposer, même en description YouTube, vous avez des idées que ça peut être sympa à présenter, soit pour du commandeur ou d'autres formats. Voilà, moi, je fais de l'unboxing pour l'instant parce que je trouve que c'est plus sympa de faire des unboxings à montrer que de faire tout ça tout seul dans sa chambre. Donc, je fais tout ça tout seul dans ma chambre, mais les gens peuvent liker. Bah, oui. C'est voilà. Sublime. Nous, on veut voir ce qui s'ouvre. On veut voir la détresse quand tu ouvres de la merde. Ouais, alors les Secret Lair, ça va. Ouais. Alors, bon, après, t'as payé le prix pour ça, quand même. Ouais. Bah, c'est un peu gênant aussi. Si tu ouvres de la merde. Alors, t'es à l'endroit. Lequel? Ça, c'est celui des 30 ans. D'accord. Là, il y a moyen d'être déçu, mais il y a que 30% de chance d'avoir la feuille. En vrai, tu vois, celui des 30 ans, je trouve que c'est un bon secret. Dire ce qu'on veut. Ouais. Je trouve qu'il est bien. Ouais. Dans le sens où t'as 30 boosters et tu choisis ce que tu veux ouvrir. Non, même pas. Moi, je trouve. En fait, il coûtait combien déjà? Rappelle-moi. 120, 160, un truc comme ça. Je crois, ouais. 160. Alors, j'avais fait le calcul avec quelqu'un. Je crois que tu retombais à peu près sur tes pattes en termes de revente. Tu vois. Ouais. Avec toutes les cartes. Mais surtout, c'était pas mal de cartes qui étaient. Ben, jouable hein, pour pas mal. J'avais fait ça. J'avais fait le calcul pour que je retrouve. De toute façon, il y a des Planeswalkers dedans qui m'intéressent. Après, si on part sur les trucs un peu collector, je rappelle pour le chat qui ne sait pas que j'ai ce genre de petites choses non ouvertes dans mes cartons. Donc, si vous êtes sage, peut-être un jour. Si tu veux l'ouvrir, on fera un field goal quand même, ou parce qu'on va peut-être pas le faire alors qu'il y a à peine même pas 10 ou 15 likes sur le TikTok. On va pas craquer le beau booster. Il y en a un deuxième. Hein. Ça peut peut-être emmener des vues, tu vois, de dire. Donc, Ah ouais, mais le problème, c'est que si l'algo il te passe pas. TikTok, at les chroniques du commander. Oui. Attendez, et tu dis à 100 qu'il y a vu, on offre le deuxième, tu vois. Et hop, paf. J'ai le lien là, je crois. Je me demande si je peux y aller. Genre, il y avait quoi dans Prophétie qui vaut le coup? Bah, il y a Rhystic Study. En fait, il y a pas grand chose à part Rhystic Study maintenant. Alors, il y a le lien pour ceux qui ont un ordinateur. Hop, non, mais tu vois, j'ai. Pareil, hein, si vous voulez les.
Trucs un peu anciens. Voilà. J'ai deux trois petits bouts du premier bloc Innistrad qui traîne aussi. C'est beau ça. Du coup, c'est un peu. Ragen. On peut se. J'ai regardé avec les versions les plus pourries, tu vois. Donc, pas, n'importe quelle version, pas collector. Donc, pas collector, pas des super arts bizarres, super. T'en as pour 105 euros sans les frais de port. Donc. Là, tu sais que. Tu perds 50 euros, mais sur les versions collector, tu les vends toujours un peu plus cher. Tu sais que j'ai. Comment ça s'appelle ? J'ai regardé du coup pour le MOX parce que, en fait, honnêtement, hein, c'était un achat presque inutile vu qu'en fait, il n'y a que le MOX qui m'intéresse vraiment. Ouais. Et je le veux foil. Et le MOX, pour l'instant, en foil, il est à 150 euros. Bah, tu vois, il fait tout, hein. Il fait le prix, tout. Il fait le prix, donc il faut que je revende la boîte pour me le payer. Ouais. Et non, ouais, il c'est a... pour la collection. Ah, c'est un beau bébé. Hein. On voit... Non, il est à 100, il a 130 euros maintenant. Ah, il est en train de descendre. Parce qu'il était à 140. En France, un Français le vendait à 147. Mais oui, bah là, le premier Français, il le vend à 130. Voilà, pour ceux donc, qui veulent, attends, la vidéo, la vidéo du jour, c'était ça. Voilà. Attends, un peu, j'ai reçu ça. Oui, pas de soucis, les... voilà. Je vais l'ouvrir en TikTok, je pense, vu qu'il y a qu'une seule, je vais ouvrir qu'une seule enveloppe. C'est sur les trucs que vous êtes en train merci de. Merci à Kiss qui s'est abonné sur TikTok. Moi j'ai reçu. Il est beau. Moi j'ai reçu mon. J'ai reçu un. Comment ça s'appelle ? Et en carte cadeau. Non, pas un ornithoptère. Un dissident Yossi, hein, voilà. C'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Il est beau. Hein. Aussi. Je sais pas combien ça vaut, mais ça a l'air d'être pas mal. C'est une unco de la guerre Farfest. Oui, c'est le truc qui booste de plus 1 plus 1 une bestiole. Qui met un marqueur plus 1 plus 1 à chaque fois qu'un artefact entre sur le champ de bataille. Et en fait, ça combo super bien avec le module d'animation. Qui dit qu'à chaque fois qu'un marqueur plus 1 plus 1 est mis, tu peux payer 1 pour mettre un cerveau, donc un artefact, sur le champ de bataille. Du coup, tu mets un marqueur. Ça retrigger. Tant que t'as du mana, tu fous de ton board. Bah, c'est comme. J'ai vu quoi ? Oui, c'est comme. Avec l'artefact, maintenant, t'as un artefact qui fait que quand il arrive sur le bataille, il arrive comme une copie d'une créature. Sauf que c'est un artefact. Oui, ça fait du mana. Ouais. Et ça fait du mana bleu. Et du coup, c'est pièce de combo avec du coup le. Comment dire, l'elfe qui se dégage en mettant marqueur moins 1 moins 1. Parce qu'en fait, quand il arrive, c'est marqué que ça devient une copie, sauf que c'est un artefact, mais pas une créature artefact. Donc, du coup, en fait, il a pas de force et d'endurance. Donc, mais en fait, tu peux faire du mana vert, du mana bleu infini comme ça. Mais cette année, c'était l'année où on fait des combos avec la druidesse, non ? Ouais. Oui. Parce qu'il y a ça, il y avait la reconfiguration là. Il y avait. Et ça, c'est le bon. Oui, bah, t'as, avec la druidesse, tu as aussi avec Luxor. Qui booste en fonction du nombre de marqueurs. Merci encore une fois. Elle s'est fait arroser. Ouais, mais du coup, elle est même pas dans le secret clair, je crois. En fait, le seul que j'aime pas trop, en fait, des talismans. C'est celui de Conviction du Boros, je trouve fais voir cela. Franchement, j'y ai pensé à ce secret clair. Moi, je les ai pris parce que j'ai les talismans dans mon cube, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris les 10 et puis. Et puis en plus, ce qui est cool, c'est que la carte, c'est une Felwar Stone. Ouais. Ah, oh, trop bien, ouais. Trop bien. Ouais. Trop bien, ce qui est cool, c'est que dans le. J'ai déjà montré, mais je peux la remontrer. Dans Arcade, avec les dragons, du coup, j'ai eu un Sylvo, j'ai eu ce Sylvo. On voit pas beaucoup là chez Alfie, j'avoue. Hein. Il manque des pixels et il manque des couleurs. Donc, Non, je vois un peu, ça va. Ah, vous voyez pas la carte, en live, on voit rien. Ta caméra a décidé de se faire la malle, Alfie. Je pense que c'est un signe. C'est là le signe qu'il faut rabattre. Merci en tout cas les gens d'avoir suivi ce débat. Bah, du coup, on a continué pour une petite discussion, c'était sympa. C'est beau. Finalement, on a continué un petit peu. Donc vous avez tous les liens
dans le chat, plus le TikTok, incroyable, le petit bonus de la soirée. C'est bien parlé après. Replay lundi soir, 19h30. T'es encore en vidéo, je t'entends. Mais oui. Replay lundi soir, 17h30, et puis sinon on se retrouvera évidemment pour le live du Duel Commander, l'annonce comité lundi soir à 20h. Mais on se retrouvera jeudi prochain pour une game de... Attention, discrètement. Spoiler. Attends, on sera 4 jours, on sera là. On sera là. On sera 4 jours. Mais non, mais en plus, on a les filles qui sont cachées. Eh oui. Nous aurons... petit format alternatif, on vous en dira pas plus. Non, venez voir, même nous, on a rien compris. Viens des voir. On nous l'a proposé d'ailleurs. C'est moi qui l'ai proposé, mais c'est en hommage à quelqu'un de ma boutique. J'espère qu'il viendra. C'est beau. Eh ben, il a intérêt à ce sub. Hein. Ah bah, au moins ça. Non, on espère qu'il passera pour faire un coucou. On voit un peu qu'il puisse nous dire si son format il doit marcher comme ça. Très bonne soirée à tous et à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous. Salut. Salut, bonne soirée.